Qui? Wache? Seko? Kwe? Gwe? Bonsoir. Fierté littéraire remercie le peuple Ganyangeaga, gardien de la terre Jiojage, lieu traditionnel de rencontre et d'échange, pour leur accueil. Jiojage, que les Blancs ont renommé Montréal, a été longuement visité, notamment par les peuples Benaki, Wendat, Algonquin, Anishinaabe, Atikamekw, Cree, Innu, Inuktitut, Mi'kmaq, Naskapi et Malécite. Nous souhaitons donc rendre hommage à ces peuples des Premières Nations, à leurs descendants, ainsi qu'à l'esprit de fraternité qui a présidé à la signature en 1701 de la Grande Paix de Montréal, traité de paix fondateur, de rapport pacifique, durable, entre la France, ses alliés des Premières Nations et la Confédération aux Inuits. C'est dans cet esprit de fraternité que nous vous présentons le Transpoésie reçoit fierté littéraire. Et je vous demanderai tout le monde d'éteindre vos cellulaires. Et voici maintenant Pascal Cormier. Nous chanterons le temps des cerises et les rossignols et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va d'eux cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerise d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Merci. Bonsoir et bienvenue à cette troisième édition de Transpoésie reçoit fierté littéraire. Dans une toute nouvelle formule cette année, les deux premières années, on avait fait un concours. On a décidé qu'un concours de poésie, ce n'était pas très compatible avec l'esprit de transpoésie, où on tient à mettre en vedette la poésie elle-même et non pas une personne en particulier. Et donc, je pense que tout le monde va sortir gagnant de cette soirée, je l'espère. Pourquoi la fierté? Parce que la honte, celle qu'on a ressentie envers soi-même, celle qu'on a dû essuyer sur son visage, celle qu'on se fait imposer par ignorance, par méchanceté, par bêtise. Pourquoi la fierté? Parce que le mépris qui marque, qui s'imprègne jusqu'au fond des os, qui fait mal et consume. Pourquoi la fierté? On a survécu à son adolescence, parce qu'on survit encore au vent contraire, aux agressions que personne d'autre ne voit, aux obstacles dressés qui indiffèrent tout le monde, aux voies sans issue.
et parce qu'il faudrait encore nous battre, il faudra encore nous battre demain pour préserver nos droits et notre dignité. Pourquoi la fierté? Parce que nous sommes vivantes, vivants, et nous entendons le rester. Et parce que nous sommes debout. Merci beaucoup. Alors, on a un menu très chargé ce soir, donc je vais couper court aux présentations. Je vais vous lire un premier texte qui nous a été envoyé par Suzy Desrosiers. Elle avait déjà participé l'an dernier. Très beau poème, pas très long. Et puis, bon, elle habite à Manceau, donc on peut comprendre qu'elle n'a pas pu se rendre ce soir. Je n'y avais pas du tout. Son poème s'intitule « Brûler » de Suzy Desrosiers. Des mots sans maquillage, sans artifice, à l'état brut. Des mots qui découvrent mon visage, me dévoilent, me mettent à nu, me trahissent. Des mots debout, droits, majuscules, qui se décoincent de ma gorge. Je suis un humain qui aime un humain. Suzy Desrosiers. Alors, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter quelqu'un qui est une découverte pour moi, une très belle découverte, Sabrina Herrera-Roberge. Bonjour tout le monde. Merci. Vraiment contente d'être là ce soir, de pouvoir vous lire des poèmes. C'est ma deuxième fois sur une salle, sur un stage comme ça. Ouh. Donc, merci. Merci. Donc, le premier poème que je vais vous lire, c'est il n'y a pas de titre et il va comme suit. Il serait si facile de s'oublier dans la débauche de ton être. Tu me ramènes à mes cataclysmes où chaque seconde tendue dans l'attente démultiplie mon désir dans un espace à posséder. Ta bouche sur la mienne, une révolution des corps. Il est si facile d'oublier la patience des territoires intérieurs. J'en lire un deuxième. Il n'a pas de titre non plus. Je l'ai fait récemment parce que je me remettais beaucoup en question. Donc voilà. Vous me placez pour que je... Ça, OK, ici, c'est bon? Oui, OK. j'ai l'impression d'être... La lumière. OK. Comme ici, c'est bon? Parfait. OK. Par quel accident de terrain, par quel chemin de travers me suis-je rendu ici? Au terrain vague du doute, au dépotoir des idées. Encore ici, au milieu de nulle part, j'érige mes défenses, je me décompose en excuses. Figé, fané, j'ai besoin de savoir comment habiter l'incertitude. J'ai besoin de savoir comment prendre racine dans ces espaces qui me déconstruisent. On est un troisième pour vous ou c'est le dernier? Okay, il est un peu plus long celui-là par contre. Okay. New Wave, post-Pixo, post-MSN, mon écran ne whiz plus, il vibre. Je m'ennuie du whiz, je m'ennuie des heures vécues, sans ponctuation, des notifications point-virgule, du temps de l'ambiguïté. J'oublie que la nostalgie du passé est un citron eschatologique. Tu as googlé eschatologique, mais la réponse est ailleurs. Je me demande de quoi je m'ennuierai dans 10 ans. Mais je ne me questionne plus tellement. Mon présent est un infini cassé. J'aimerais avoir confiance en l'avenir, mais je me perds dans la citadelle d'envie. Je scroll. Il n'y a pas de fond au désir. Il n'y a pas de désir au fond. Aussi accessible qu'éphémère, il m'est de plus en plus difficile de faire des liens entre les choses. Tout se fond dans la marmite culturelle et je reste hypnotisée devant l'écran. Il me fécondera et me façonnera à son image. Fragmenté, multiple, sublime et terrible. Je serai autre, autrement moi-même, partout et nulle part à la fois, dans le confort cheap d'une autre série à binge-watcher, le stockage d'Instababe ou les amitiés stand-by, mais l'angoisse a plusieurs visages et le seul espace habitable reste celui des mots. Je m'incarne dans ma langue comme un besoin de protéger ce qui reste vrai. Bonne soirée tout le monde!
Merci beaucoup, Sabrina Herrera-Roberge. J'espère qu'on te reverra à ce micro. Ma prochaine invitée, c'est la personne qui avait gagné le troisième prix de notre concours l'an dernier, quelqu'un qui a énormément de talent. Ce soir, vous êtes toutes et tous premiers, premières. Alors, ça me fait très plaisir de vous présenter Lélia Sofiane. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai eu un peu de misère avec la thématique cette année, mais voilà ce qui est sorti. J'ai mal. J'ai mal aux joues ce matin. J'ai mal. À force de forcer mon rire, j'ai mal de serrer des dents pour ne rien dire. Si j'avais su toutes les conneries que je laisserais passer inaperçues, je t'aurais sûrement laissé rester dans mes inconnus. Tu me m'arraches le cœur avec tes mille oublis, avec tes propos, comme si mon nom était trop gros pour passer entre tes soupirs. Tu m'étonnes, toi, qui es si habile de la langue, que ce soit l'affaire d'un pronom, d'un accord qui te trahit. J'ai mal. J'ai mal à la mâchoire. Mal à force de retenir mon délire, mal de grincer des dents pour encore ne rien dire. La douleur traverse mes artères, mes liens de sang, mes liens arborescents. Elle est sans remède, sans traitement, sans pansement. Puis, quand je détourne des yeux, je te vois encore. Quand je les ferme, je te vois là dessiné sur mes paupières, fatigué et fier, blessé et rancunière. Je t'aime encore. Je t'aime encore. Mais ce que j'aimerais faire, c'est retrouver les mots, les clés pour débarrer ta prison, trouver le souffle pour repousser le voile de tes yeux. Je les cherche, les clés, à travers un flot de mots, un fléau. Un fléau. Et quand je m'enfarge et je trébuche dans nos larmes, c'est là que j'aperçois un petit éclat d'œil brillant derrière le voile. Toi aussi, tu as des mots pour moi. Des mots comme égoïste, méchante, violente, tout sauf bien-aimée. Tu me dessines le masque que tu me ferais porter, le masque que je connais. Le masque qui sert à me contrôler, qui serre mes dents, qui plisse les coins de mes yeux pour transformer la grimace en sourire. J'ai mal aux joues cette nuit à force de les mordre pour retenir un dernier cri. Conclurai sur celui que j'ai écrit pour la dernière édition, puis après je vais laisser la scène. Alors, je l'ai écrit à un moment où on parlait beaucoup de transformation, de ce que j'étais devenu, mais je ne suis pas devenu, j'ai assumé. Et croyez-moi, c'était toute une épopée. Au début, il n'y avait que les folles filles dans le petit écran pour me montrer comment être, comment m'enseigner être une bonne trans. Ah oui, marche les genoux serrés, garde les coudes proches. Faut surtout jamais avouer que tu as des gosses. Habille-toi pour réduire. Garde tes grosses mains dans tes poches, puis la voix bien contrôlée, tes papiers toujours dans ta sacoche. Les interdits se multiplient, corps, linge et langage, tout passe à la loupe. Et une bonne meuf trans, elle sait se montrer souple. Ben, je serai mauvaise alors, et fière du statut, parce que ma bouche n'est pas un honte, puis mon corps non plus.
Parlez-moi pas d'intersectionnalité. Moi, je suis inter-tout, international, intermodal, sur les internets ternes, mais à l'interne, ouverte. Je suis une fille d'interstice déchirée par mon état mixte. Je stretch et stitch, stitch, stitch the pieces back together. Arrête de me sectionner. Arrête de me demander ce que je suis, d'où je viens et ce que je transporte ici. J'en ai pas de destination. C'est ça l'intersection. Plus fille que garçon, mais pas assez. Ni de lui, ni de l'une, et j'ai encore besoin de thunes. Je suis toujours une pute, une bitch, toute crachée, et je sais que s'il le faut, je peux te sacrer une volée. Alors t'es mieux de laisser tomber tes projets de me tabasser, parce que par les coups ou par les mots, c'est moi qui va gagner. Merci. Puis, si jamais vous prévoyez un petit voyage, passez donc dans le bas du fleuve, du 19 au 22, le Slam Ton Festival à Saint-Fabien, j'y serai. Il y a au moins une vingtaine d'excellents slameux du Québec qui seront là ce soir-là. Ça serait merveilleux de vous voir. Merci beaucoup. Ma prochaine invitée, elle avait aussi participé l'an dernier, mais je ne l'ai pas vue, je ne sais pas si elle est dans la salle. Mathilde Sénécal. Ah oui, OK. Merci beaucoup tout le monde de me recevoir aujourd'hui. Comme Pascal disait, c'est ma deuxième année avec Transpoésie. Puis bon, je vais vous lire mon poème de cette année. Donc c'est « L'aube bleue ». Je me suis ouverte au monde. Le temps me dévisage. Je lui lance des fleurs sur sa tombe en forme de cœur. Mes mains tremblent avec la terre. Je suis la rivière qui mène au pied du courant. Je me jette à l'eau pour rejoindre les remous, y faire ma place au jour le jour. La tête qui rêve au coucher du soleil, le mauve, le rose, l'orange et le feu, un vent chaud sur la rive de mes côtes. Je me réveille en sursaut avant l'aube. Croire connaître ce que la vie nous réserve, l'espoir de renaître parmi les coraux, là où le sel et le sable se confondent, une mosaïque des corps bleus. Merci tout le monde, bonne soirée. Denis Martin, au début du spectacle, a salué les premiers peuples qui nous accueillent sur leur territoire. Ils ont vécu une année particulièrement difficile avec le drame, entre autres, de Joyce Echaquian, avec la découverte de charniers sur les sites d'anciens pensionnats autochtones. Ça fait 500 ans que ces gens-là souffrent alors qu'ils étaient chez eux et qu'ils n'ont rien demandé à personne et qu'ils ne sont pas venus chercher nos ancêtres. J'ai cherché des paroles de consolation. Et je ne me permettrai jamais de me substituer à la parole de la grande poétesse Innu de Betsiamite, Joséphine Bacon. Les aurores rouges sont jalouses de l'éclipse qui a fait le tour de toi. Une pensée m'envahit, vacarme d'un soir de bar. Une mélodie chante mon souvenir. Le passé me rattrape. J'ai oublié comment rêver. Mon cœur a perdu la cadence des raquettes. Je me suis laissé apprivoiser. Je suis au bout de moi. J'écoute tes larmes. Comment te consoler? J'aimerais chasser ta souffrance, t'offrir le sourire d'une étoile. Joséphine Bacon. Ma prochaine invitée, elle a tous les talents. Lundi dernier, j'étais au bar de cocktail et j'ai lu son très beau texte qui était finaliste au concours littéraire de Fierté littéraire, concours de prose. Et puis, cette année, Transpoésie n'est pas un concours, mais elle nous a envoyé un poème magnifique. Ça me fait très plaisir de vous la présenter. Marie-Lou Lebel. Marie-Lou Lebel Dupuis, pardon. Donc, le premier poème, « Changé, mais toujours là ». Pas de char, pas de sel, pas de base de lit, proud disaster by. C'est même pas parce que je suis née dans la pauvreté
on est fait le vœu ou parce que je fais trop le party, although I kind of wish. Non, c'est que j'ai pas d'assurance, puis tu sais, la thérapie. C'est la thérapie, celle dans laquelle je suis depuis. How much of a woman's life can be spent processing the trauma of sexual violence? Depuis un hostie de bout, je suis pognée dans un schéma pyramidal de traumatisme aux mains du patriarcat. Toi aussi. On peut remonter loin de même, pas depuis que le monde est monde, mais sûrement depuis que l'homme est l'homme ou que boys will be boys, peu importe ce que ça veut dire. Il est où le trou de cul originel? Celui qui a recruté ses chums, qui ont recruté leurs chums, qui ont recruté leurs enfants, qui ont même recruté leurs filles. Le Chris. L'envie de lui envoyer mes reçus, ceux que je garde compulsivement dans l'espoir d'un jour en effacer la dette, la trace, le souvenir, en vain. C'est quoi d'être bi quand t'as tellement peur des hommes que tu confonds chiens et loups en permanence? En permanence, je me manque, enfouie de mes désirs, par la sortie de secours, celle sur laquelle il faut appuyer 15 secondes avant qu'il s'ouvre et qu'une alarme retentisse. L'impression de me refuser autant que de me sauver. La honte, pognée dans la gorge, quand j'ose pas corriger ceux qui m'assument lesbienne, juste parce que qui a entendu parler du monosexisme, du 48%, du TSPT? La honte, celle que j'essaie d'expulser en thérapie, seulement pour la redécouvrir un peu plus tard, changer, mais toujours là. Changer, mais toujours là, c'est aussi moi. Proud disaster by. Là pour rester, même si un jour j'espère m'émanciper de ces instants ratés, botchés ou volés, et enfin cesser d'accumuler les reçus. Merci. Donc, celui-là, ça a été écrit dans un moment de vulnérabilité. Je vous avouerai que je n'ai pas souvent cette vulnérabilité et que j'évolue dans le monde plutôt en guerre contre le patriarcat, cis, hétéro, capacitiste, capitaliste et suprémaciste blanc. Et quand j'avance de cette manière, j'écris différemment. Fait que je vais vous lire des petits extraits pour finir mon 5 minutes. Se crisser une graine de chip, sel et vinaigre dans l'œil. Marcher nu-pieds sur des cailloux de litière. Passer à côté des poubelles par les 40 degrés, retching and reeking of vomit. Se revirer de bord 14 fois dans la nuit, être surprise par une araignée quand tu prends ta douche. Oui, c'est quelque chose comme ça, se faire pogner le cul sans consentement dans une robe qui te fait sentir cute quand tu vis ta best life. Un geste passible d'amputation, si seulement des femmes avaient écrit le code d'Hammurabi. Mes chers, je vous le dis en vérité, les Babyloniennes nous ont laissés en déshéritage. Fait qu'on continue le crescendo, là, ça va être le dernier, l'apothéose de mon instant poétique. Dis-moi donc encore, not all men, crisse-moi-le dans le fond de la gorge pour tester mon gag reflex. Je te jure, moi, de vomir dessus. T'aurais bien averti, mais évidemment, t'as pas pensé demander. Vas-y, allez, continue, gave-moi de force jusqu'à ce que j'explose. Ça va être le fun de ramasser les éclats de ces tripes que tu m'as appris à ne pas truster parce que not all men, puis surtout pas toi, bien sûr. Toi, t'es un nice guy, pas comme les autres. Un nice guy qui va me dire que je suis une fille, pas comme les autres. Ça commence à faire beaucoup d'autres, beaucoup de déferlements, vague après vague, après vague, après vague. T'en as jusqu'au cou, dude. Femme ta gueule, pas chlorante. On vient de me faire remarquer qu'il y avait deux micros, alors c'est un peu ridicule que j'y suis toujours le même. Donc, dorénavant, vous allez me voir sur ce côté-ci de la scène.
Elle se rapproche de l'ouverture, ébauche d'un scénario. Je m'inquiète de la retrouver si troublée devant les rôles possibles. Il propose l'abstraction comme acte décent. Échevelée sur les textures, fourrures, génératrices de parcours, les deux femmes quittent momentanément le réel et exercent ensemble le trouble. Germaine Beaulieu. Alors, ma prochaine invitée, c'est la seule autre que je n'ai pas eu la chance de rencontrer. Alors, je ne sais pas si elle est dans la salle. Nancy Beaudoin deux fois. Bon, ben alors, je vais vous dire son texte moi-même. Sauf que je ne l'ai pas imprimé en 18, alors je vais aller chercher mes lunettes. Alors, le texte de Nancy s'intitule « Les grands départs ». Par la pensée, je m'envole dans le ciel, d'où je puis voir les merveilles d'un fleuve enchanté. En trajectoire avec les oies blanches, de leurs ailes déployées pour avancer, je prends les rênes de ma vie en toute intégrité. Du haut, je vois tous les éléments qui me permettent de m'enraciner. Par les ruisseaux, je bois et asperge mon visage d'eau. Par les rivières et la mer, je me nourris de poissons et fruits de mer. Par le fleuve, les bateaux m'amènent à destination et l'économie fait ses preuves. Et comme les marées, je me laisse bercer vers le processus de l'acceptation de soi, avec mes hauts et mes bas. Dès que j'atterris sur terre, je fraternise avec le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. En avançant parmi les saisons, le coming out s'installe. Je m'identifie en passant par plusieurs émotions, parfois déchirantes. Si nécessaire, je cogne à une porte et la main me supporte. Comme les montagnes et la forêt, je construis ma demeure. Un pas à la fois, j'apprends à vivre dans le corps de ma nouvelle destinée. En progressant, je rencontre des alliés, mais j'en perds, car tous ne sont pas prêts à connaître ma véritable identité. Durant ce temps, le réveil du printemps me souligne que j'existe. Le soleil rayonne et la chaleur d'été adoucit mon cœur. L'apparition des couleurs de l'automne vient me dire que je peux briller et être différent. L'hiver, la nature s'endort et un tapis blanc décore ma demeure. Un arrêt s'impose pour elle et moi, afin de mieux franchir l'arrivée d'une nouvelle année. Je pourrais quitter le Bas-Saint-Laurent, mais ailleurs ne serait pas meilleur. C'est ici que j'ai vu le premier jour. Et rapidement, le vent du fleuve est venu me dire bonjour. Heureusement que notre ère moderne m'ouvre vers la diversité qui demeure depuis des siècles cachée. Devenir l'être que je rêvais lorsque je m'envolais par la pensée. Nancy Beaudoin. Mon prochain invité, je sais qu'il est là. Ça me fait très plaisir de vous le présenter. C'est aussi une découverte pour moi ce soir. Patrice Bergeron. J'ai deux petits poèmes ce soir. Donc, le premier, est-ce que tout va bien? Oui. OK. Border fluid. On décrit border fluid ou border gender. C'est un terme qui décrit la fluctuation du genre vécue par les personnes ayant un trouble de la personnalité limite. Une des caractéristiques des genres TPL et d'avoir l'impression que son identité est en constant changement. Ils n'arrivent pas à savoir qui ils sont réellement. J'existe. Dans un corps, entre plusieurs univers, d'autres genres, de multiples sexes, d'innombrables chromosomes. Je m'épuise d'être confuse. Je crie, je ne suis pas une femme. Je
ne suis pas un homme. Je suis un mystère. Je fluctue au fil du temps. J'ai 3 mental breakdowns par jour. Merci, je vais très bien. Je dérange lorsque je pleure, hurle, ris, gémis, éclate, lorsque je ne sais pas qui je suis ni qui je devrais être, quand j'accepte d'être tout et rien, je reste indéfini. Le deuxième, c'était un peu un exercice de style, donc restez avec moi. Dehors, novembre, je sors en shirt et en t-shirt. Il fait 17 degrés. J'ai oublié le temps qui passe depuis mars dernier. Je cligne des yeux et une nouvelle saison est présente. La seule chose qui change est comment je m'habille lorsque je sors courir. Je cours encore et toujours pour oublier mon corps confiné dans ces espaces trop exigus qui ne m'offrent qu'assez d'air pour survivre. Je suffoque sous la pression, mais au moins quand je cours, je sens que j'ai le contrôle. J'ai le contrôle sur moi, sur mon corps, sur chaque foulée, sur la direction que je prends. Je croise toujours quelqu'un, un mon oncle, un de ces hommes qui pensent que les femmes leur appartiennent. J'entends des « Hey, ma jolie, t'as bien l'air en forme, t'as pas chaud, t'as pas froid, tu veux-tu prendre une bière avec moi? C'est donc dommage que le masque soit obligatoire, ça cache les belles femmes comme toi. Qu'est-ce que t'es jolie? » Je réponds, merci, mais je ne suis pas une femme. Je ne peux pas prendre une bière avec vous. Non, je n'ai pas froid. Oui, j'ai chaud. Il y a une pandémie. Il faut se protéger avant de penser à son petit bonheur personnel. Évidemment, ils ne m'ont pas écouté jusqu'au bout. Ils ont arrêté à la partie où je dis que je ne suis pas une femme. Ils sont offensés. Certains deviennent agressifs. D'autres essaient de me prouver que j'ai des seins et un vagin. Donc, je suis une femme. Mais je continue à courir. Je ne les entends plus très bien. Je suis loin. J'avance et eux, ils restent statiques. Pourtant, je les sens derrière moi. Ils essaient de me ramener en arrière, de m'emprisonner dans la soumission. J'essaie de les fuir, mais mes souvenirs me rattrapent. Je ne peux pas effacer les marques invisibles qu'on a engravées dans ma peau, dans mon sexe, il y a des années. Je ne sais pas si mon corps est vraiment le mien ou s'il est un objet qu'on a utilisé et qu'on a abandonné au coin d'une chambre lorsqu'on a fini de l'utiliser. Je ne sais plus quoi faire de mon corps ou du respect. Je propose fréquemment à mes partenaires de m'utiliser. Je ne sais toujours pas quoi répondre quand ils me le refusent. Je suis aspirée dans mes souvenirs où je n'étais qu'un objet à modeler, à dresser, où je devais servir à la fois d'un objet et d'une déesse du sexe. Je devais être chaste et pure, refuser les avances. Mais si on me forçait un peu plus, je devais devenir une porn star déchaînée, assoiffée de pénis. Mais attention! Je devais desserrer uniquement le pénis de mon propriétaire, de mon maître. Sinon, je devenais une salope, une pute, une garce, une traînée, une putain. Je sens encore leurs mains sur moi, leurs caresses indésirables. J'ai mal au sein, au ventre, aux fesses, à mon sexe. Je suis impuissante. J'ai envie de pleurer. La douleur est si vide, si vive que je me sépare de mon corps. Je ne suis plus là. Je ne suis plus dans mon corps. Mais quand je cours, je suis à moi. Je ne suis plus ce qu'on essaie de m'enfoncer dans le fond de la gorge. Je me sens bien. Je me sens dans mon corps. Je sens qu'il est le mien. Je sens qu'il n'a pas besoin de genre précis. Je sens l'amour que m'en donne. Je sens l'amour que j'ai envers moi-même. Je me sens libre. Je suis enfin libre. Dehors, novembre, je sors en t-shirt et en shirt. Et il fait 17 degrés et je cours. Merci. Merci beaucoup, Patrice Bergeron. Très beau poème. Alors, le prochain invité, je suis presque gênée de vous le présenter parce que c'est un ami et parce qu'il a écrit ce poème qui m'a dédié et qui s'intitule « Transpoésie ». Alors, par contre, il est gêné lui aussi de le dire parce qu'il a invité un autre ami à le dire à sa place. Donc, le poème de Miguel Doucet sera dit par Marc-André Casavant. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis un artiste multidisciplinaire, ami de Miguel depuis plusieurs années. Donc, je vais vous livrer son texte. À toi, mon ami, ma sœur.
J'avais envie de t'écrire une lettre, un poème. Le monde souffre de ne plus avoir de poète, d'entendre la beauté, se régaler de mots imagés, se ressourcer dans notre belle langue. Le sublime des paysages qu'elle évoque. C'est ça le pouvoir des mots qui efface les mots. Comment survivre sinon? Il y a trop de lettres dans l'alphabet. On ne s'y retrouve plus. J'ai l'urgence d'écrire, de t'écrire. Je prends ce moment pour rester vivant, mais surtout pour que tu restes vivante. Bien, je m'explique. Sur un bateau, parfois, le capitaine veut transborder la marchandise d'un côté vers l'autre. Ce qui ne fait pas toujours le bonheur des matelots, mais le dernier mot revient au seul maître à bord. Montre-leur qui est le capitaine. Oh, capitaine, ma capitaine. Chère femme de 6 millions, quels sont tes super pouvoirs? Tu transcendes l'univers, traversant la transcanadienne jusqu'au transcontinental. Jusqu'où iras-tu? Tu es la porte-parole d'une identité qui t'est propre. Pourtant, plusieurs semblent incapables de la transcoder. Pourquoi ont-ils tant besoin de te transcrire? Il semble que dans leurs yeux, tu es transculturel. Depuis quand rêves-tu de changer de corps? As-tu sorti les seins... Voulais-tu tout transformer, réaliser jusqu'à une transduction, créer ainsi le transfert génétique complet jusqu'à tes propres cellules? Et puis le résultat? As-tu sorti les seins des églises? Es-tu devenu ton propre temple païen? T'es le transept qui divise la nef d'une église? Ta vie a-t-elle pris la forme d'une croix? Puis-je espérer ton chemin de croix? Puis être plus radieux que celui du Christ? Je te le souhaite. Faire et défaire, mais ce n'était qu'un transfert de corps, une transfusion de toi. Qui, au fond, reste toi. Grâce à ceux qui t'affronteront, qu'ils ne transgressent pas les limites du bon vivre ensemble, ils feront face à une tigresse. Hier encore, l'humain nous décevait, mais peut-être y aura-t-il transhumanisme. Auront-ils les capacités physiques et intellectuelles d'un être humain supérieure grâce aux progrès scientifiques et techniques. Ici, maintenant, je t'entends de ma radio transistor. Tu cries fort de ton corps, transi de froid. Tu ne demandes qu'une transition douce et paisible. Comme un printemps, un renouveau. Je te le dis, ma sœur, la société porte en elle cette attitude d'indifférence. Le trans... Je m'en foutisme. Chaos, c'est un trans-crash. En finira-t-on jamais de ce trans-karma? Là, juste devant toi, il y a une translation. Transporter le corps d'une inconnue. Anonyme. Ne ferme pas les yeux. Il y a déjà eu trop de morts transférées d'un lieu à un autre. Moi et toi avons le pouvoir de la transmission. Non, ce n'est peut-être pas la transnationale, mais ça fera l'affaire. Oh, mais je souhaite tout de même la transdésobéissance pour ne pas rester dans la transobscurité, faire la révolution et planifier une transopération pour être transoptimale. Et ainsi obtenir l'évolution. Pourquoi ne pas partir au Brésil, être au soleil pour transpirer dans leurs moyens de transport, être transparente en terre étrangère, être transpercée au cœur par la beauté des hommes?
Serions-nous capables de nous transplanter ailleurs? Toutes ces questions doivent transparaître. Qu'ils ferment leur gueule, ceux qui disent que tu n'es pas femme. On ne naît pas femme, on le devient. À mes yeux, tu es transqualifiée 100%. Femme, on n'a que faire des trans, qu'en dira-t-on? La queue est toujours un enjeu. Reviens, ne sois pas une trans rabat-joie. Prends racine et soyons de notre époque, du futur. Tous ces ragots sont d'un ridicule. Il nous faut plus de réflexion. Rajeunir notre pensée. Sexe des étoiles, tu es ma transsibérienne, transsexuelle en trans. Tu es loin d'être une trans terroriste. La menace serait-elle dans les trans terminaux des toilettes publiques? Il serait si simple si elles étaient toutes non-genrées. Travail du sexe et son cliché, je ne te demande pas une transaction. Un peu louche d'un soir rue Ontario. La communauté trans a une relation difficile avec le travail du sexe, contrairement aux femmes cis. Ils ne portent pas ombrage aux femmes. Malheureusement, c'est le cas des femmes trans. Trop de gens pensent encore que vous n'êtes que des obsédés sexuels, juste bonnes à faire le trottoir. Non, ton corps t'appartient. Il n'est pas monnaie d'échange. Urgent message universel, la transultra est unique. Il ne faut pas uniformiser transurbaine. À l'usure, elle se brisera. Viens, car des vapeurs de violence sont toujours à l'horizon. Elles n'arrivent pas toujours de face, mais peuvent être transversales. Elles amènent le vacarme sourd de la justice et ne font pas de vagues dans les médias. Sois une transvaillante. Beaucoup de loups et pas assez de mers grands pour nous enrober de becs sucrés. Why don't they fucking understand? J'enrage car ils se trompent à ton sujet. Mais j'enrage. Comprendront-ils un jour ma transitude? X ou Y? Madame X est en extase car elle est sur son X. Elle est du troisième sexe. Yo! Elle te parle! Écoute-la, elle te regarde dans les yeux. Ne détourne pas ton regard. Elle n'est pas une marque de yaourt. Ni une vampire de Transylvanie. Elle est une femme. Ne joue pas au yo-yo avec ses émotions. Si le yoga sert à libérer l'âme du corps, elle exige le trans-yoga pour prendre son âme, la transporter dans le corps de qui elle est vraiment. Zachée, mon voisin, juché sur son arbre, m'a chuchoté ceci. Je n'ai qu'une seule envie, c'est que tu sois une trans-zen avec un zeste de folie. Et c'est signé Miguel Doucet. Merci infiniment. Alors, c'était Marc-André Casavant pour Miguel Doucet. Bouge, dors et ressuscite. Bouge, dors et ressuscite, car le temps est un crime commis par Dieu. Le cercle, la danse, la roue, le monde miroir, l'image promise de notre disparition à notre réveil. 100%, neige sur neige, la mort était parfaite. Les fantômes avaient peur. Cela s'appellera-t-il encore l'aurore? André Roy. Une autre très belle découverte pour moi, ma prochaine invitée, nous a envoyé un très beau texte intitulé « Convaincu de me connaître », Mika Lagounaris.
J'aimerais remercier toutes les personnes qui sont ici présentement ce soir. Toutes les personnes. C'est la première fois que je lis un de mes propres textes devant public. Donc, merci. C'est très gentil, merci. J'aimerais remercier ma mère. J'aimerais remercier ma grand-mère. J'aimerais remercier Michel Lalonde. Repose en paix. Elle nous a quittés malheureusement. Sur ce, convaincu de me connaître. Tu sembles si convaincu de me connaître, con et vaincu avant même de naître. Idéateur et inertate, logoré inapte à faire pousser jalape. Tu innoves encore pour calfeutrer mes synapses, pendant que je crie simplement que j'existe. Avec quoi tu t'assures contre les propos incendiaires que tu répands devant nos refuges? Qu'est-ce qui est derrière ta haine? Tes réponses fausses quand tu joues du sincère. Je me suis découvert il y a 10 millions d'années et les roues de l'histoire continuent de tourner. Pendant que mon être change, tu comptes tes propres mensonges avant d'avoir de la substance. Tu sembles si convaincu de me connaître, avec une volonté de fer mal en pointe, aiguë et acérée au visage de tes propres enfants qui subissent ton amour conditionnel simplement parce que tu nies que la nature soit plurielle. Je vis une vraie vie et tu mentiras devant la mort sur qui tu es et qui tu veux être, faire et avoir tort, alors que ceux qui te connaissent pleureront ce que tu ne serais jamais devenu. Ta façade restera en terre cuite devant la mort crue. Choisis qui tu es avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être qu'il sera possible pour toi d'arrêter ton feu. Mais en attendant, ta vision est pauvre et malhonnête et tu fais feu sur moi sans jamais apprendre à me connaître. J'avais pas vraiment prévu d'autres textes, honnêtement. Je pensais que ça allait prendre 5 minutes. I guess que dans la tête, ça va toujours un peu plus rapidement, n'est-ce pas? Sûrement des personnes dans la salle qui savent exactement de quoi je parle. Alors, je voulais simplement plugger mon site web, mikalagounaris.com. Je sais, c'est très complexe, c'est mon nom avec un .com. Donc, si vous avez de la misère à appeler mon nom, pas de problème, vous pouvez tout simplement me contacter. Je vais être assise là-bas. C'est Mika Lagounaris avec un L comme dans Lacoste, I guess. J'essaie. Merci beaucoup et passez une belle soirée. Merci beaucoup, Mika Lagounaris. Alors, pour une première fois, c'était vraiment impressionnant. J'espère bien te revoir à ce micro avant longtemps. Ma prochaine invitée, une autre très belle découverte pour moi, qui nous a envoyé un poème magnifique, « Les langues imaginaires », Rosalie Gravel. Ça fait très longtemps que je suis pas venue sur scène, donc petit stress ici. Appelez ça... C'est quoi le truc? Faut-tu comme être moins loin de l'autre? Faut-tu... OK, c'est ça. Donc, les langues imaginaires. Il paraît qu'au bout du monde, certaines couleurs n'existent pas. Enfin, elles existent sans doute, mais nul n'arrive à en briser l'anonymat. C'est quelque part, paraît-il, entre ici et ailleurs, dans des langues inconnues, dont l'existence fait rumeur. Je me demande souvent comment ces peuples à l'arc-en-ciel bref perçoivent le monde qui nous entoure. Toutes ces teintes dont l'Occident s'empare, de l'azur du ciel au bordeaux du velours, sont-elles dans l'absence lexicale que de vulgaires détours? Que la mer au loin là-bas soit plus bleue, ça je veux bien le croire. Mais que
Comment le concevoir s'il n'y a que le vide pour le décrire? C'est qu'il doit y avoir autre chose que nos vocabulaires pour exprimer l'indicible. Si une image vaut mille mots, le silence, lui, est invincible. Il me taraude parfois, dans mes nuits incolores, une question immense qui me remplit d'espoir. Et si notre langue aussi était encore parsemée de vide, des couleurs perceptibles, bien réelles, mais inaudibles. Si le silence, lui aussi, avait bien des choses à dire, que nos sens imparfaits ne pouvaient saisir. Langues éloignées, qui n'existent peut-être que dans mes songes, j'ai parfois cette sensation qu'au fond, elles me répondent. Comme une vague certitude d'être une de ces couleurs qui n'existent pas, qui n'existent que dans le vrai, mais qui n'a vraiment rien pour parler de soi. Je suis le silence identitaire, l'invisible et l'inconnu, celui qui vous fait toujours taire. De vos couleurs, je suis nu. Je porte la couleur qu'on me donne comme les traits d'une étrangère. Mais dans mes langues imaginaires, chaque nuance résonne. Et quand je ferme les yeux, j'ai l'impression de les ouvrir. Je ne suis plus comme le bleu qui n'existe pas dans les langues du bout du monde. On a peut-être manqué des bouts parce que ça faisait... J'y rushais avec le micro. Mais... Merci. Alors, effectivement, Miguel, tout à l'heure, dans son poème, disait qu'il y a bien des préjugés sur les trans. Et entre autres, des gens s'imaginent qu'on est des obsédés du sexe. Ça n'a tellement, mais tellement rien à voir. L'orientation sexuelle est une chose, l'identité du genre est une autre chose, complètement différente. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne parle plus de transsexuel ou de transsexualité. Ce sont des termes médicaux qui parlent uniquement d'une transition biologique, médicale. Donc, c'est tombé en désuétude. On parle plutôt de transidentité. Sur ce, je trouve que ça manque un peu d'érotisme, cette soirée. Alors, j'ai trouvé un poème assez torride qui s'intitule « La splendeur ». Laisse-moi t'approcher, laisse-moi te toucher toute et te fragmenter par petites touches. Laisse-moi, ma plurielle, de fond en comble, te dévaster. Trouver réunis au secret ma soif et mon ruisseau, ma verdure et ma faim. Lécher jusqu'au cœur notre vaste complot. Laisse mon corps immobile entrer chez lui par les seuils incalculables de ton corps inamovible. Laisse s'accomplir à l'infini vertigineux du temps vertical cette opération extase, infiniment longue et infiniment aimable. Que mon désir me conduise à tes seins et que le satin soit la doublure de ma bouche tissé sur ton cœur battant. Laisse-moi connaître ton sexe et qu'il soit tout long de velours. Laisse-moi le bercer. Laisse-moi recueillir l'huile prodigieuse de cette amande douce pour en lisser les feuillages de ta vulve. Laisse-moi naviguer en toi. Laisse-moi faire ce naufrage dont nous rêvions et laisse-moi en ta perdition. Laisse-moi aborder au clito-rivage heureux de ton corps heureux. Laisse-moi m'y reposer. Laisse-moi me reposer en toi de cette définitive splendeur. Luki Bersianik. Mon prochain invité, une autre très, très belle découverte pour moi. Alors, il va encore être question de transidentité. Transitionner la frontière de Lionel Lehoulier.
Et je vais le prendre dans mes mains. Allô, je m'appelle Lionel. Je suis un artiste de théâtre et j'habite et je travaille sur le territoire non cédé Anishinaabe de la nation Kitigan-Zibi, dans les villes aussi connues sous le nom de Gatineau et Ottawa. Et je n'y travaille qu'en français. Donc, je suis née dans mauvaise langue. Pas que ma langue est mauvaise, mais comme le miroir, elle ne me reconnaît pas. Tu me dis « naître dans le mauvais corps », moi, je te dis « naître dans mauvaise langue ». Je ne suis pas née dans le mauvais corps. C'est toi qui es louche. Pas que j'ai déjà été straight, mais tu me lis quand même tout croche. T'as le madame enflammée qui brûle sur le bout de tes lèvres comme ta phonétique serrée dans ta main sur le chemin sombre de la maternelle maison. Mais moi, je suis d'un crack du trottoir, d'un nid de poule inexploré d'une francophonie incomplète. Je suis l'enfant illégitime, le bâtard qu'on cache et qu'on laisse à la crèche. Je suis née dans mauvaise langue, parce que dans la langue dont il ne faut pas prononcer le nom, il y en a plein des mots qui reflètent. Puis ils sont belleux, puis créativifs, puis invitants, puis colorés. Mais comme mon corps, je ne suis pas supposée les aimer. Quand je t'entends crier « en français », j'ai le goût de rétorquer « quel français, le tien ou le mien? » Si les mots ne sont pas là, est-ce que j'existe pas? Est-ce que je dois rester en silence? Est-ce que ça ne me force pas à rester placardée? Toxique, comme dirait Britney? C'est pas du child abuse de mettre dans un garde-robe le héros d'une autrice dont le nom il ne faut pas prononcer? On pourrait-tu faire volte-face au vol de corps de l'histoire? Je suis née dans mauvaise langue, dans une province de bleu et de blanc, où la langue sait porter l'épée et la croix, mais où il n'a pourtant pas su protéger mon foyer et mes droits. J'ai traversé la rivière pour mieux comprendre le mensonge qu'on m'a vendu. J'existe pas dans une langue qui devait supposément mourir dans le torrent. Mais je réalise que de l'autre côté, c'est vert et c'est blanc. Et même si je me suis un peu mouillée en traversant, l'eau froide me rappelle que, comme les francophones d'Amérique, j'existe aussi. Parce que, comme le français, on résiste, nous aussi. C'est notre langue. On a le droit de vouloir se voir dans le dictionnaire, d'exister dans le littéraire, d'avoir un vocabulaire, et non, c'est pas trop demandé. On peut diversifier notre langue, rajouter une coche sur le formulaire. Comme toutes les couleurs sur le drapeau, tout ce qu'on veut, c'est rajouter des stripes à la bannière. Fait qu'on reste de notre côté ou vous nous laissez traverser? Je suis fatiguée d'être née dans mauvaise langue. J'ai juste envie de transitionner pour que mon intérieur devienne extérieur aux oreilles de tous. Mais ces mots-là, on les a pas. Encore. Y en a-tu du talent et des belles plumes dans ce pays-là? Hein? C'est merveilleux. Voici ma description de la poésie. En fait, ce n'est pas la mienne, c'est celle de Jean-Paul Dehaut. Mais je suis assez d'accord avec sa vision. Quand on dépasse les limites, le poème arrive, harnaché de plumes empoisonnées. Il surgit du désert comme le Nil. Ses mots sont une tribu retrouvée. Le poème nous saute à la gorge, détruit nos miroirs futiles, comportait comme des oiseaux morts, en boa autour du cou. Le poème ne pardonne pas. J'écris rien. Il tue parce qu'il aime. Le poème est Caïn et Abel. Maudit, il tourne le dos à Dieu. Le cœur surpeuplé d'anges, pourtant, dans le paradis des mots perdus, il hallucine. Le poème est un coup de poing dans la vitrine d'un centre-ville qui regorge de luxe inutile. Le poème est une soie dentaire entre les os. Le poème est le parfum qui envoûte le cerveau alors qu'il fracasse le cœur. Le poète mérite d'être maudit. Le poète sait toujours ce qu'il fait. Le pire l'attire et le vrai l'obtient. J'écris pour décrocher les étoiles, pour faire trembler la terre, pour faire éclater mon miroir
où je rugis comme Narcisse. J'écris pour rendre un instant l'ombre lumineuse. J'écris parce que les mots m'écrivent. Jean-Paul Daou. Alors, on vient de me rappeler aussi que nous avons des livres à vendre tout près de la porte et les profits sont versés entièrement aux causes que nous défendons, entre autres la Maison Plein Cœur qui aide des personnes atteintes du VIH-SIDA. Alors, on vous invite à passer avant de partir tout à l'heure. Le dernier texte, Marianne Ansari n'est pas dans la salle. Hein? Non, malheureusement. Alors, je vais le dire pour elle. C'est une amie. Elle aussi m'a dédié ce texte. C'est un court conte poétique qui s'intitule « Le petit chien ». Comment faire une histoire longue avec quelque chose d'aussi simple, d'aussi petit? Il était une fois, voilà bien longtemps, un chien dont je vais vous conter l'histoire. Il n'y a pas mille et une nuits, pas de génie, pas mille et un mots, mais beaucoup de magie. C'est qu'étant poète, j'écris peu. Je préfère le silence entre les mots. On était plus au temps de la lèpre. C'était bien avant les masques médicaux et le COVID. Donc, il était une fois un chien galeux qui suivait un enfant et un ange. Ça doit être vrai, c'est écrit dans la Bible, de la plume d'un prophète, Tobie. Vous avez bien compris, j'ironise un peu. Le chien est mon héros, ma fierté, mais il est surtout le héros de notre histoire. Pour les dire dans les mots de Félix Leclerc, c'était un petit bonheur qu'on avait ramassé sur le bord d'un fossé. Le chien s'était mis à aimer sa situation. Elle lui permettait de suivre l'enfant et l'ange. Il était un peu à leur image, petit et lumineux. On voyait la lumière par ses yeux malgré son apparence. Il portait la magie. C'était un mâle, mais il avait toujours été rejeté, comme une sorcière. On le disait petit et feluette, petit comme l'enfant et brillant comme l'ange. Ce qui lui permit de les reconnaître comme maîtres et de les suivre. Le chien ne savait pas faire de distinction entre les gens. Il léchait même les lépreux. Son cœur pouvait contenir le ciel et ses nombreuses étoiles. Un jour, ce petit chien, si petit, vit sur son chemin trois femmes venues du fond des âges, une trinité toute féminine. Elles le saluèrent et lui donnèrent le nom de « Dame Pauvreté ». Le chien bondit en réponse, tout heureux, d'une sainte joie. Il alla leur lécher les mains. Oh joie! On reconnaissait enfin sa vraie identité. Toute sa vie, il avait porté un masque. La paix et la joie sont devenues sa salutation. Étrangement, tous les chiens errants de la ville se mirent à le suivre. Mâle, femelle, peu importe, on le suivait à l'appel. Le chien, lui, vécut sa vie de chien, heureux. Des gens l'avaient reconnu à sa juste valeur. Marianne Ansari. Merci. Alors, cette soirée tire déjà à sa fin. Malheureusement, ça a passé comme un éclair. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés non plus. Je vais inviter maintenant le président du conseil d'administration de Fierté littéraire, M. Claude Lalande, à venir dire le mot de la fin. Bien, c'est un grand plaisir d'être ici au Bistrot Sainte-Cath pour cet événement conjoint entre Fierté littéraire et Transpoésie. C'est notre troisième collaboration directe de ce genre. L'an dernier, d'ailleurs, Transpoésie, à cause de la pandémie puis la fermeture du bistrot Le Sainte-Cath, n'a été possible que dans le village, pendant Fierté Montréal. Et ça a été en virtuel. Et
on a été absolument éblouis par le fait que ça a été un des deux événements les plus écoutés et les plus visionnés sur YouTube l'an dernier, à au-dessus de 400 visionnements. Et on a fait des appels à texte, des concours. Il en est résulté des recueils. Puis on commence, vous allez voir une tendance, à, année après année, faire des recueils qui vont être des couleurs de l'arc-en-ciel. On a commencé en vert, on passe au bleu. Cette année, votre recueil, qui va inclure tous les textes, lui, ici, va être quelle couleur? Mauve! Ben oui! Vous connaissez pas votre drapeau! Sacre bleu! Je tiens d'ailleurs à souligner l'apport exceptionnel de M. Raymond Vigé, qui est le grand boss du bistrot, qui est le grand boss des éditions TNT, aussi le grand boss de Reflet de Société, qui fait des œuvres plus sociologiques. Donc, ça a été un partenaire absolument extraordinaire. Et il fait aussi un recueil pour notre autre appel à texte, qui est le concours de prose de Fierté littéraire. Donc, il nous a produit un super beau recueil. Il y a de la fierté dans l'air. Et il nous permet même de vendre notre premier recueil qui était avant notre collaboration. Il est fin. Raymond, il est super fin. Alors, on vous vend ça à la fin. Les gens qui nous regardent en ligne, c'est éditiontnt.com, sans accent. Alors, donc, c'est une belle collaboration et qui va continuer et qui va continuer. Je tiens à remercier Fierté Montréal qui nous a donné des fonds pour permettre à ces événements d'avoir lieu et le Conseil des arts de Montréal. Et je tiens à féliciter et remercier notre poète animante, Pascal Cormier, pour ce beau travail. Alors, longue vie à Transpoésie, longue vie à Fierté littéraire, puis au plaisir de vous revoir. Oui, j'oubliais presque, on a aussi des recueils de Pascal, deux recueils de poésie et un conte, Cendrier, qui est superbe. Puis on est un peu en dedans des temps. Est-ce que tu nous en lirais un petit? Ben oui, hein? Est-ce que vous voulez que Pascal nous lise un petit poème à elle? Oui! C'est pas drôle de lire. Alors, je vais vous lire le poème-titre de mon plus récent recueil, qui date déjà de 2016, je crois. Mais bon, il ne faut pas être pressé pour publier. On publie quand on est prêt. Le poème, donc, s'intitule « Une cathédrale de chair ». Me glisser dans un souffle vers ta lumière. Incendier ce temple entrouvert. Avec l'impudeur du désespoir, réveillons ce qui dort, que nos bouches s'adorent. Je te sens tout près, à deux doigts de pleurer. Quand j'aurai bâti ma cathédrale, oseras-tu y entrer? Sous mes vitraux, mes cryptes éventrées libéreront ma splendeur, parée de mille couleurs. Mes passions irrigueront mes murs, tendus de peau, fourmillant de caresses. L'amour y chantera à toute volée, faisant vibrer mes nefs dans le jour retrouvé. Dehors, mes démons pétrifiés recracheront mes douleurs. Je t'acquitterai le ciel de mes flèches.
J'entasserai mes pierres, une à une, dans le désert. Je te vois au loin, le front sur le sable. Je t'entends qui murmure des litanies pour tes ombres. Sous les dentelles de mon portail, tu trouveras fraîcheur et repos. Mes fondations seront profondes. Les foudres divines se briseront sur mes voûtes. Mes arboutants te protégeront de l'effarement des siècles. Quand tu pousseras le lourd panneau à l'ombre de mes seins, tu marcheras comme une reine sous mes hautes vertèbres jusqu'à la croisée du transept devant l'autel ardent où nous serons unis, sacrilège au cœur battant du monde. Merci. Merci beaucoup. Ouf, ça fait mal aux yeux. Bon, ben, il me reste qu'à renchérir, en fait, sur ce que Claude vous a déjà dit. Je tiens absolument à remercier mes amis Denis Martin Chabot et Claude Lalande et Fierté Littéraire qui tiennent cette entreprise à bout de bras depuis des années et qui m'ont fait l'honneur de me faire participer à plusieurs événements. Et c'est vraiment pour moi un bonheur à chaque année qui se renouvelle. Je tiens aussi à remercier évidemment, Raymond Bichet et toute l'équipe du Bistrot Le 5-4 qui nous accueille ici. Transpoésie, c'est aussi un événement mensuel hein, qu'on a dû suspendre malheureusement à cause de cette foutue pandémie, mais qu'on va reprendre très prochainement. En fait, le 16 septembre, on sera de retour sur cette scène. Alors, j'espère que vous y serez aussi. Et puis, tous les poètes que vous avez entendus ce soir seront publiés dans le prochain recueil collectif des éditions de TNT, qui sont également dirigées par Raymond Vigier. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fête soirée. Vous remercier infiniment toutes et tous et tous d'être venus. Et j'espère vous revoir très bientôt.